chers amis internautes. En cette belle après-midi, j'ai décidé de vous faire part d'une nouvelle critique concernant un autre livre de cinéma que j'ai particulièrement aimé, celui-ci, Steven Spielberg, une rétrospective de sa filmographie de l'auteur Richard Sickle, dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, à propos d'un livre intitulé Clint. Alors, une fois encore, c'était un livre sur un réalisateur américain, l'un des plus célèbres et l'un des plus connus, l'un des plus reconnus, l'un des plus adorés, etc., etc. Que penser de ce livre? Déjà, c'est qu'il est beau, qu'il est volumineux, qu'il est bien écrit, qu'il est facile à lire, etc., etc., etc. Bon, ça, c'est commun à pratiquement tous les livres dont je vous ai déjà parlé. Oui, richement illustré, bien écrit, avec des anecdotes intéressantes concernant tous les films de Spielberg depuis ses débuts. Il y a plusieurs gros chapitres, en fait. Le premier parle de ses débuts, donc en tant que jeune réalisateur, avant qu'il commence à faire des films dont on a commencé un petit peu à parler. Puis il y a le second chapitre intitulé « Le réalisateur », où il parle de son premier film qui était en fait un téléfilm à la base, « Duel », si vous en avez entendu parler. Moi, je n'ai pas personnellement vu le film. J'ai pas vu les deux premiers films qu'il a fait, à savoir « Duel » et « Sugarland Express ». C'est pas les plus, à mon avis, c'est pas ceux qu'on pourrait retenir le plus de sa filmographie. Hein. Duel étant un espèce de road movie où un automobiliste en fait se faisait poursuivre par un camionneur dont on ne voyait jamais le visage, on voyait seulement le camion. Et Sugarland Express, je crois que c'est une histoire d'une femme divorcée qui fuit son mari avec un enfant, etc. Bon, en tout cas, tous ces deux films sont abordés, ainsi que tous les autres qui vont suivre, les plus célèbres comme Les Dents de la Mer, Jurassic Park, etc., jusqu'à son dernier gros film, à savoir Lincoln, que beaucoup n'ont pas aimé au cinéma. Il y en a beaucoup qui l'ont décrié. Moi, j'ai une amie qui l'a trouvé trop bavard, trop prolixe. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était un beau film avec de beaux dialogues, et un peu comme Amistad, d'ailleurs, qui est du même réalisateur. Non, vraiment, c'est un réalisateur dans l'ensemble dont j'ai apprécié la quasi-totalité des films, hormis deux, à savoir 1941 et Rencontre du Troisième Type. Moi, j'aime pas Rencontre du Troisième Type, personnellement. Je trouve que c'est un film qui est assez longué, pour lesquels je n'éprouve aucune sympathie envers les acteurs. Richard Dreyfus, j'ai pas vraiment de sympathie. Enfin, j'ai bien aimé son travail dans Les Dents de la Mer. Je n'ai pas vu Always. Mais non, je trouve le film longué, un peu compliqué quand même, dans une certaine façon, et pas vraiment agréable à regarder. Quant à 1941, c'était la seule incursion de Steven Spielberg dans la comédie. Et c'est vraiment franchement raté, c'est pas drôle. On a l'impression qu'on va avoir une sorte de film, un Zaz, si vous voulez, comme Y a-t-il un pilote dans l'avion, avec des situations absurdes, etc. Sauf que, passé le tout début, ça ne suscite... moi, ça ne m'a pas fait rire. J'ai même pas fini le film. Et d'ailleurs, il le reconnaît lui-même, Spielberg, dans le livre. D'ailleurs, il a eu bien du mal à rentrer dans ses frais à propos de ce livre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire avant de passer au visionnage des différentes pages? Oui, il est fait à plusieurs reprises mention des enfants perdus, qui est une référence à Peter Pan, qui est en fait une référence à tous les enfants avec lesquels a travaillé Spielberg. C'est vrai qu'on se rend compte que dans ses films, il a travaillé avec beaucoup d'enfants, que ce soit dans E.T., que ce soit dans... dans E.T., dans Les Dents de la Mer, enfin dans pratiquement tous ces films, il y a des enfants. Dans Empire du Soleil, c'était basé, le personnage principal était un enfant, mais même dans Lincoln aussi, il y a un enfant qui apparaît. Il a toujours travaillé avec des enfants et tout. Et c'est intéressant de parler de ces enfants aussi, de tous ces enfants avec lesquels il a parlé, avec lesquels il a collaboré. Parce qu'en fait, les films dont qu'a fait Spielberg, et il le dit dans sa citation, il y a beaucoup de citations dans ce riche livre, beaucoup de citations du réalisateur. Il disait justement que tous les films référençaient à quelque chose
à quelque chose qui est basé sur son enfance. Là, je suis en train de le lire, j'ai mis ma petite fichette. Voilà, sur ce, je vais continuer à vous en parler plus avant, mais on va faire le petit changement de caméra, ce sera plus agréable pour vous. On se retrouve tout de suite. Voilà. Donc, on va découvrir ensemble le livre. Alors, tout de suite, hein, c'est encore une jaquette, ce ici. Donc, on découvre, je vous montre le livre, comment il est en dehors de la jaquette. Bon, il est très sobre, hein. On préférera la belle jaquette. Voilà. Alors, ici, donc là, vous voyez déjà une photographie de Steven Spielberg tout petit. Avec la citation dont je vous ai fait part tout à l'heure, presque tous mes films sont basés sur quelque chose qui est arrivé dans mon enfance. J'aime bien cette citation. J'aime beaucoup. J'aime d'ailleurs toutes les citations qu'il a faites. Attendez, je vais déplacer un peu le trépied. Voilà, ce sera mieux comme ça. Alors, ensuite, donc là, le sommaire. Et je vous montre quelques-unes des pages. Toujours avec de belles photographies. Voilà, ça c'était quand je vous disais quand il était débutant. Je passe rapidement là-dessus et on attaque. Voilà le premier film, Duel. Alors à chaque fois, chacun de des films abordés se présente de cette façon. Donc avec une photographie, le film, la date de sortie et à chaque fois une citation du réalisateur. Ensuite, on a Les Dents de la Mer. Je vous passe rapidement. Hein. Donc il y a pas mal de tous ces films sont représentés, comme je vous le disais, jusqu'à Lincoln. Avec des photographies du tournage, là on le voit avec John Williams, le compositeur de la quasi-totalité de ses films. Ah, ça c'est le film que j'ai pas aimé, Voyage du troisième type. Non, franchement j'ai pas aimé ce film, trop assez intéressant. L'autre film raté, 1941. Je vais me poser rapidement sur une. Ah voilà, celui-là il est bien. Indiana Jones, un de mes films préférés, film d'aventure préféré. Aventuriers de l'Arche perdue. Voilà, donc là tout le livre se présente sous cette forme. Moi j'aime bien, les textes sont assez courts, facile à lire, on apprend de bonnes anecdotes là-dessus. C'est franchement pas mal. Il y a seulement un point noir que je tiens à spécifier, c'est que l'auteur, qui est un critique américain, un réalisateur de documentaires, un scénariste, etc., qui a fait donc le livre Clint et ce livre-ci, ne fait aucune référence, hormis à la fin du livre dans l'index, à ses films en tant que producteur. Je trouve ça regrettable parce que Steven Spielberg, c'est avant tout, c'est vrai, un réalisateur, mais c'est aussi un producteur de génie. À qui l'on voit quand même pas mal de bons films. Et le concernant, je dirais que quand il produit, il participe également à la création du film. Ce n'est pas le cas de tous les producteurs qui ont plus un portefeuille en tête qu'une œuvre, que le fait de qu'ils le font plus dans un intérêt pécunier que de le faire pour produire une œuvre artistique. Comme Harvey Weinstein par exemple, je pense à lui parce que voilà, c'est un réalisateur qui revient dont on entend beaucoup parler, producteur. Mais Steven Spielberg, lui, je dirais qu'il a beaucoup plus cette vocation de création artistique. Il a quand même participé à beaucoup de films en tant que producteur, hein, que ce soit les Goonies, que ce soit, je ne sais pas moi, pour Casper, où il était présent sur le tournage quand même, et où il devait même faire une apparition. Je l'ai su en lisant le commentaire audio du film Casper, où il devait apparaître dans la fameuse scène des miroirs où Bill Pullman est possédé par les fantômes. On y voit successivement Clint Eastwood, un autre que je connais pas, Mel Gibson et la créature des contes de la crypte, et lui devait faire une apparition qui n'a pas été monté au final. Voilà. Donc là, La couleur pourpre aussi, un film assez intimiste du réalisateur qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on a tendance un peu à avoir oublié, mais qui est très très bon aussi, malgré quelques longueurs. Donc voilà, il a quand même participé en tant que producteur, même à un film où il a quasiment été réalisateur, à savoir Poltergeist, qui est crédité sous le nom de Toby Hooper. Mais pour la petite anecdote, Hooper s'est fait vraiment, excusez-moi du terme, emmerdé par Spielberg sur le tournage,
parce qu'il avait voulu produire seulement le film, alors qu'il aurait mieux valu qu'il le réalise, dans le fond, parce que, comme il l'avait dit dans une interview, l'erreur qu'il avait commise, c'était d'avoir voulu faire à quelqu'un d'autre transmettre sa propre vision. Voilà. Et il était sans arrêt sur le tournage, il réalisait certaines séquences, enfin voilà, Hooper en avait eu assez, au bout d'un moment il avait menacé de démissionner, même pour imposer une scène devenue très célèbre, qui est la scène du dépeçage du visage. Si vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille vraiment, hein, parce que c'est un film qui date de 82, mais c'est quand même un très très bon film de fantastique. Je vous le conseille avant d'aller voir le remake qui aura forcément lieu un jour ou l'autre. Non, c'est vraiment un très très bon film qui n'a pas perdu de sa... je dirais de son efficacité, hein, qui n'a pas vraiment pris de ride comme d'autres films fantastiques comme Shining ou L'Exorciste. C'est vraiment un film qui m'a marqué, moi, et que je vous recommande vraiment si vous êtes fan de films fantastiques. Hein. C'est pas un film horrifique à proprement parler, mais c'est quand même un beau film. Un bon film dans son ensemble. Donc voilà, je trouve, pour conclure, il aurait été appréciable, de bon ton, je dirais, de noter quand même, d'accorder quelques pages à son travail en tant que producteur. Mais l'ouvrage est déjà assez... on pourrait se consoler en disant, voilà, l'ouvrage est quand même assez massif. Là, je vous tourne les pages depuis tout à l'heure, on voit quand même qu'il est assez massif, qu'il est assez riche en photographie et en informations. Et donc voilà, dans l'ensemble, je vous dis, c'est un très bon livre. C'est un très bon livre que je recommande à tous les amateurs de beaux livres sur le cinéma, de beaux livres même, parce que c'est vraiment un livre qui vaut vraiment l'achat, qui vaut vraiment la possession. Voilà, je vous laisse. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos, et je vous dis bonsoir, bon salut à tous.